system of neural activity. Spectateurs, bonjour. Nous sommes sur le plateau de Rayard TV News. Nous allons discuter des élections présidentielles qui se passeront en RCA. Je suis en compagnie de M. Aristide Briand-Reboas, qui est bien entendu, il va aujourd'hui devant vous, devant les caméras, vous annoncer bien entendu sa candidature aux élections présidentielles. Monsieur Reboas, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, dites-moi, nous nous retrouvons ici au Press Club de France à Paris, à l'hôtel Pullman, bien entendu, dans un grand standing que vous avez préféré nous convier, nous la presse, devant les amis téléspectateurs qui vont nous suivre pour annoncer votre candidature. Oui, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je vais seulement confirmer un fait qui a été déjà acté il y a de cela plus de 4 mois à Bangui. J'ai été désigné à l'unanimité pour présider le Parti chrétien démocrate et puis de l'amener aux élections en tant que candidat. Candidat aux élections présidentielles? Présidentielles, oui. Alors, on va commencer tout de suite. Vous avez bien entendu un bon cursus, un background, donc vous avez aussi l'expertise du terrain, vous connaissez ce que vous faites, vous connaissez la RCA, la RCA dans la crise, la RCA post-crise, vous voyez déjà comment ce pays va sortir de l'ornière avec des tensions, des poches des tensions qui existent. Vous avez le Master 2 de d'études stratégiques et politiques de défense. Vous avez également un Master 2, des études diplomatiques supérieures stratégiques, et dans les très grandes écoles d'ailleurs. Et vous avez aussi également un diplôme de la relation internationale approfondie, troisième cycle. Dis donc, vous avez un background extraordinaire. Oui, je peux à partir de mon profil apporter une expertise juste de cette crise. Et pourtant, heureusement, c'est grâce à ce background que j'ai connu Bangui et que j'ai été appelé effectivement pour mettre à contribution mon expérience au service du peuple centrafricain. Alors, bien entendu, si on regarde votre expérience professionnelle, donc vous avez travaillé à la présidence de la République de la Centrafrique. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez fait. Directeur général des renseignements généraux, on a besoin des gens de cet acabit pour bien entendu sécuriser le pays. Oui, comme Néron dit, la surveillance est la garantie de survie d'un État. J'ai été à ce poste que d'ailleurs j'ai créé, je préfère vous préciser. Ah, vous avez créé le poste. J'ai créé ce poste, j'ai monté toute l'architecture, j'ai mis en place, j'ai fait fonctionner à un niveau. Ce qui a permis que je sois repéré même par l'Union africaine. Au-delà de ce poste dans le renseignement, j'ai aussi géré le comité de services de sécurité et renseignement de la CAC, 11 pays de la CAC. Et j'ai apporté aussi une expertise au niveau régional qui a eu naturellement son effet, son efficacité en termes d'interception des dangers multiformes. Alors, donc vous êtes aussi un expert au niveau de l'Union africaine? Oui, j'ai été à l'Union africaine, mais ce n'était pas dans le même cadre. J'ai été le patron de renseignement, patron de la sûreté en République centrafricaine. À l'Union africaine, j'ai été non seulement appelé pour faire aussi parallèlement le même travail, mais plutôt focalisé sur le conseil juridique, droit de l'homme, à la force régionale d'intervention, d'ailleurs que j'ai été l'un des pionniers. Nous avons monté cette force régionale d'intervention de l'Union africaine avec les Américains pour lutter contre la LRA qui est une rébellion de Joseph Kony. Voilà, Joseph Kony depuis 1998 et qui sévit dans la région de Dungu, dans la région de l'Est de la République centrafricaine, du Sud-Soudan et l'Ouganda. La RDC aussi d'ailleurs. La RDC, oui, quand je parle de Dungu, c'est plutôt la RDC. Mmh. Et comme on avait aussi un état-major à Dungu, à
Birao en République centrafricaine et à Yabio du côté Sud-Soudan et aussi en Ouganda, et bien sûr géré par le département de paix et conflit de l'Union africaine. Alors, en ayant cette expertise, dites-moi, on rentre dans le vif du sujet, au niveau de votre programme, on va utiliser les trois axes. Premier axe, axe sécuritaire. Comment vous allez procéder pour pouvoir enrayer les rébellions qui sévissent dans votre pays et sécuriser l'étendue de votre territoire? Je pense que c'est à la fois difficile et facile. La question de sécurité en République centrafricaine est très, très, très singulière. Nous sommes un peuple qui a toujours été marqué par de multiples implosions d'instabilité politique liées à la porosité de notre frontière et des frontières que nous avons avec aussi d'autres États à risque que nous ne maîtrisons comme, pas. Comme la RDC. Comme la RDC. 1200 km de frontières qui donnent directement sur la capitale centrafricaine. Et donc, du coup, ça, c'est aussi difficile à gérer. Avec le Soudan, c'est aussi difficile à gérer, notamment le Tchad. Donc ça, il faudrait développer un concept de sécurité qui tienne en compte toutes ces réalités, et puis apporter la solution appropriée. D'abord, un, par le renforcement de la diplomatie, parce que c'est par la coopération, je le dis clairement, qu'aujourd'hui, entre nous, le Tchad, effectivement, il y a eu ce que vous savez. Mais on a une communauté de destin. La sécurité du Tchad passe par la République centrafricaine. La sécurité de la République centrafricaine passe par le Tchad. Et je préfère préciser que j'ai souffert de manque de coopération aussi avec Rwanda, avec Kigali à l'époque, parce que le dernier événement qui va emporter toutes les institutions centrafricaines et qui va briser, même ébranler nos cultures et même, sans exagérer, nos mœurs, pour cause d'une réunion banale à Kigali où il y avait Dotodia et puis Abakar Sabon et puis comment il s'appelle Abdoulaye Hassan. Et donc c'est là où ils ont mis en place l'UFDR, c'est le 14 avril 2006 à Kigali. Or, si on avait une bonne relation avec Kigali, cela nous aurait permis d'intercepter, d'être avisé effectivement et de pouvoir apporter ce qu'il faut en termes de coopération judiciaire et juridique pour pouvoir agir comme c'est le cas avec le Cameroun. Le pays en Afrique centrale qui s'entend bien avec la RCA ou la coopération avec mon expérience en tant que patron de renseignement, c'est le Cameroun. En temps réel, on échange des informations et qu'au Cameroun, on ne peut pas déstabiliser la RCA partie du Cameroun. Et là, j'ai des preuves, j'ai fait même arrêter des chefs rebelles à l'époque au Cameroun par coopération que j'avais avec le Cameroun basée sur une sainteté diplomatique et que naturellement, vice-versa, il y avait eu des feedbacks. Ils sont bien entiers en termes de renseignement et sécurité. Ah oui, là, il ne faut pas se voiler la face. S'il y a un pays aujourd'hui capable de répondre, de prévenir toute attaque multiforme, c'est le Cameroun. Le Cameroun aujourd'hui a une paix qui nous a beaucoup interpellés, effectivement. Et quand j'ai voulu savoir un peu plus, mais le renseignement a son sens et le renseignement au Cameroun, c'est fait par des professionnels. Et avec la RCA, je reviens encore là-dessus, on s'entend mieux. Pourquoi? Parce que au moins 60% de nos cadres de renseignement ont été formés au Cameroun. Et moi, j'ai été formé, comme vous le savez ici, en études stratégiques et politiques de défense, j'ai fait le renseignement et analyse stratégique comme sujet de mémoire. Et donc, moi, je suis professionnel de renseignement. Mais ce n'est pas le cas de tous les pays où n'importe qui peut prétendre être patron de renseignement et qui ne passe pas des analyses. On avait parlé des fiches mensongères, effectivement. C'est ça, c'est réservé aux idiots. C'est quand on ne sait pas faire son travail qu'on fait autre chose. Mais vous voyez, par exemple, la CIA. La CIA, aujourd'hui, écrit, sort déjà des perspectives de comment ils voient le monde en 2025. Comment ils voient l'Amérique en 2025. Cela permet aux décideurs de prendre en compte des pistes et puis pour planifier tous les sujets économiques, etc., en fonction.
Alors, comment voyez-vous les élections? Parce qu'il y a des poches où il y a des rébellions, ou au moins 15 rébellions, 9 préfectures occupées par les rébellions. Mmh. Alors, comment feriez-vous, bien entendu, pour mettre tout le monde d'accord où il y a de ces cas, disons, de leur zone, où ils se disent lésés au niveau de ces pouvoirs, ils n'ont pas les manettes de pouvoir, ils ont été oubliés, c'est des enfants perdus, des orphelins de la République. Alors comment feriez-vous pour unifier le pays, créer ce qu'on appelle l'unité nationale? Je pense que l'unité nationale ne devrait pas être un vain mot, ça ne devrait pas être un rêve, mais ça, c'est par le travail qu'on obtient l'unité nationale. Pour dire toute la vérité, 50 ans de l'histoire a été écroulé en une journée, en un rien de temps, sous l'effet conjugué de la malveillance, du cynisme et de l'irresponsabilité et de la bêtise de nos anciens hommes politiques. Il faudrait que les choses soient claires. Parce que depuis 40 ans, nous avons confié notre destin aux dirigeants, effectivement, aux dirigeants, à une seule et même équipe qui se succède à elle-même et qui ont développé les pratiques de corruption, de gabégie, impunité, la division. Tout ça, là, c'est ça qui entraîne aujourd'hui notre sous-développement et fait que la jeunesse centrafricaine aujourd'hui se retrouve seule et en crise de paix. Et donc, le renouvellement aujourd'hui de la classe politique que moi j'incarne personnellement permettrait aussi d'apporter le début de solution à cette crise. Alors, début de solution, alors quel est votre programme d'ailleurs en termes sécuritaires? On commence par ça. En termes de sécurité. Parce que nous avons votre programme qui est ici. Vous parlez de la République centrafricaine, unité, dignité, travail, bien entendu. Mais parlez-nous un peu de la sécurité de votre pays. Comment vous allez vous organiser? Et puis on va basculer au niveau économie, après bien sûr au niveau des infrastructures. Parce que là, c'est une catastrophe. J'ai sillonné un peu le pays. C'est la mort dans l'âme. J'ai trouvé qu'il y a quand même énormément à faire pour, bien entendu, concilier tout le monde et permettre les gens qui sont un peu plus dans de terroirs, dans de villages, puissent accéder facilement aux grandes villes. D'accord. Alors commencez par la sécurité. La sécurité, je pense que c'est un enjeu très vital. Aujourd'hui, riche ou pauvre, fort ou faible, blanc ou noir, étranger ou centrafricain, on aspire tous à la même chose, c'est-à-dire le besoin de se protéger, la sécurité. Vous voyez, nous allons commencer d'abord par parler de sécurité alimentaire. C'est important. Très bien. Parce qu'en attendant, même dans la guerre, il faut se nourrir. Ça, il faut le dire clairement. Et pour pouvoir garantir cette, sécurité alimentaire, il faut d'abord commencer par remettre le compteur à zéro, lutter contre la corruption. Je vous dis une chose, depuis 30 ans en République centrafricaine, aucun criminel économique est parti en prison. C'est quand tu détournes, c'est quand tu as plus d'argent, on t'appelle demi-dieu, tu deviens tout puissant. La prison n'existe pas pour les hommes forts. La justice doit être là, assurée pour tout le monde. Et donc ça, il faudrait naturellement que je puisse mettre fin à la corruption. Et de deux, au niveau des régions, effectivement, qui ne sont pas développées, c'est vrai, les infrastructures routières manquent. Mais ça manque partout. Même à la capitale, il n'y a pas de route. Même à la capitale, il n'y a que deux routes. Voilà, il n'y a que deux routes. Voilà, que deux routes. Et donc, ça, c'est avec beaucoup de plaisir. Les combattants, après l'autre qui donne accès au Parlement. Voilà. C'est l'axe principal, voilà. C'est l'avenue de l'indépendance créée à l'époque par la société Colas, c'est l'unique qui existe. Et donc, du coup, il faudrait créer. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Là où démarre toujours les poches de rébellion en République centrafricaine, c'est dans une ville, je dirais, de 200-300 km de Bangui, qui s'appelle Bouka. Et dans cette ville, pour aller quitter Bangui, pour aller à Bouka, il faut de quoi patienter deux semaines de route.
Il faut faire 2 semaines pour parcourir 200 km. Nous nous contentons à chaque fois de mettre en place ce qu'on appelle une force régionale, une force d'intervention rapide. Mais cette force-là, si tu le mets sur cette route, avant d'arriver, ben, les rebelles ont déjà tout décimé et tué la population. Déjà, la sécurité, c'est un sentiment. Il faut créer des climats, créer un climat pour se sentir en sécurité. Parce qu'un homme qui n'est pas en sécurité vit dans la peur. Et non, un homme qui a peur est capable de tout. Est capable même de tuer, parce que des fois, c'est par peur qu'on tue. C'est par peur d'être tué qu'on tue. Voyez. Et ce qui fait que quand on envoie les fonctionnaires dans ces régions, personne n'ose aller. Parce qu'il n'y a pas la sécurité. Et donc, comme la nature a horreur de vie, n'importe quel bandit se déclare chef de ça, maire de ceci, etc. Et tout est limité à Bangui. Tout est limité à Bangui. Alors maintenant, Bangui, comment feriez-vous pour que la situation, la population se retrouve? On sait que 80% de la population est rurale, pour dire ainsi. Donc, agriculteurs, cultivateurs, etc. Comment feriez-vous au niveau des infrastructures pour que les choses se passent très très bien? L'échange entre région et la capitale. Je pense que déjà pour parler de la paupérisation de la ville de Bangui, c'est le sentiment de l'insécurité qui amène tout le monde à Bangui. La population de Bangui a presque doublé. En moins de 2 ans, c'est presque. Il y a 1 200 000. 1 300 000. Voilà, avant, on était 700 000. Maintenant, c'est 1 200 000. Le dernier recensement. Voilà, le dernier recensement, on est à 1 200 300 000. Et donc, déjà, en termes de gestion des déchets dégagés par 1 300 000, ça aussi, c'est une source de problèmes à long terme. Nous n'avons pas les moyens d'être à la hauteur de traiter les déchets, etc. Et là, bien sûr, la mairie de Bangui, avec pour toutes les bonnes fois du monde, ne peut pas arriver parce que l'aide n'existe pas, il n'y a pas de camions, il n'y a rien du tout. Et là, c'est important. Et ceux qui viennent, par exemple, des arrières pays pour être à Bangui, il n'y a pas de repère. Il n'y a pas de repère. Et cela, aujourd'hui, est l'une des causes de l'insécurité à Bangui. Tout cela, ils demandent quoi? Ils demandent seulement à rentrer. Il ne peut pas rentrer là-bas, tout simplement parce qu'il y a l'insécurité. Et si on arrive effectivement à apporter la garantie en termes de sécurité, moi j'ai dit dans mon projet... Les grandes lignes de votre projet, ici, quand on le voit ici, amis téléspectateurs, vous voyez les grandes lignes, vous le voyez en face de vous. Il y a 3 caméras ici. La première caméra que vous voyez ici, la deuxième, bien entendu, troisième. Hein? Voilà. J'ai parlé de restructuration de l'armée. Je vais créer une force de légion étrangère en République centrafricaine pour sécuriser les frontières. C'est des bandits, hein, les légions étrangères? Non, la légion étrangère ne sont pas des bandits. Les mercenaires sont des bandits. C'est vrai que beaucoup des Africains confondent ça, ils font recours à des mercenaires qui sont pour moi des bandits. Mais la Légion étrangère, c'est une force que je dirais conventionnelle qui se bat pour la fierté de la patrie. Et là, ils auront pour double mission, déjà un, d'assurer la sécurité de nos frontières, et ça, c'est de la sécurité immédiate, parce que là, on ne peut pas attendre. Immédiat et assurer aussi la formation de nos soldats. Je dis que la République centrafricaine dispose en termes de formation des meilleurs militaires. Ils n'ont pas été bien. La FACA est complètement désorientée. Bon, moi, effectivement, j'ai pris un peu de distance avec l'expression FACA pour beaucoup de raisons. Parce que quand on dit FACA, c'est quoi? Forces armées centrafricaines. Mais j'ai vu dans la pratique, il n'y a pratiquement plus de force. Tu sais, à chaque fois quand les rebelles foncent, ils arrivent à atteindre la capitale. À chaque fois quand une rébellion commence, ils arrivent à avoir raison du peuple. Et là, cela nous oblige à réfléchir. Parce que la force, ça doit se militer. Défendre, c'est défendre. Et donc, pour moi, FACA a toujours été... En termes de pratique opérationnelle, une force de réaction à l'attaque de l'ennemi. Vous voyez?
Vaca n'a jamais conçu pour surprendre les rebelles. C'est à chaque fois qu'on attend que telle ville ou telle a été attaquée, telle personne massacrée, que après on demande à Vaca, une semaine après, d'aller constater et puis enterrer les morts. Oui, c'est ça. Alors, au niveau votre programme en termes d'économie. Au niveau d'économie, effectivement, d'abord commencer par remettre de l'ordre. De l'ordre, en disant cela, il faut arrêter, il faut lutter contre la corruption. Parce que sans ça, nous ne pouvons pas tenir. Et comment faire pour lutter contre la corruption? Mais faire fonctionner la justice. La justice, la justice est un feu aidé aujourd'hui. Oui, mais effectivement, il faudrait que cette justice, qui aujourd'hui se laisse faire manipuler par l'exécutif, à force de se laisser manipuler, elle se condamne elle-même. Moi, j'ai pas été content de voir qu'on a demandé aux juges étrangers de venir juger. La justice aujourd'hui, on a des juges qui ont besoin de moyens, qui ont besoin d'être bien traités. Hein, qui ont besoin de moyens. Vous voyez, vous envoyez par exemple un juge par exemple vers Bria ou vers, quand il a des problèmes de véhicule, souvent pour aller juger, il demande au plaignant de le dépanner. Et là, ça pose un problème de cas de conscience. Et donc, c'est ça qui fait que l'indépendance de la justice doit être observée aussi à ce niveau. On leur demande trop, mais on ne leur donne pas assez de moyens pour travailler. Alors, quelle politique appliquerez-vous par rapport aux anciens criminels économiques? Non, je pense que je vais être franc avec vous. Les anciens criminels économiques en Centrafrique sont tellement doués que c'est toute une chaîne, c'est un conglomérat très complexe. Vous entendez souvent quand FMI arrive pour le contrôle, tel ordinateur a disparu. Deux fois le feu a pris les régies financières, les traces sont brouillées, etc. Et je ne passerai pas tout mon temps à les poursuivre, mais je dis je vais arrêter le contrôle. Parce qu'il y aura un pardon, une période de pardon effectivement pour faire. Je vais arrêter le compteur. Je vais arrêter le compteur à zéro. Mais entre-temps, jeter la base d'une transparence qui permettrait de générer des ressources. On est un pays aujourd'hui qui a plus de 467 indices de richesse. On est le pays le plus riche au monde même. Malheureusement, on est le pays le plus pauvre aujourd'hui, d'après ce qui s'est passé. En 2013, on était un État failli, toujours, hein, en 2013, mais on était 13e sur la liste des États faillis. Aujourd'hui, on est 3e sur la liste des États faillis. Et donc, je ne suis pas sûr de maintenir, que nous allons maintenir la position de 3e là longtemps, parce que avec ce que je vois, il se peut qu'on est déjà premier sur la liste des États faillis, je ne sais pas. Mais en tout cas, les conditions de redémarrage économique ne sont pas réunies aujourd'hui. Il nous faut d'abord retrouver le fonctionnement normal des institutions, remettre les institutions de la République en place, et puis pour pouvoir maintenant prétendre amorcer un chemin de développement qui devrait nous permettre de remonter un peu. Alors, le développement, on parle de développement. Comment vous allez développer les infrastructures? Les infrastructures, d'abord, je vais commencer par les infrastructures sanitaires. Les infrastructures sanitaires, je vais commencer par l'eau. 80% de la population centrafricaine souffre d'une maladie qu'on appelle fièvre typhoïde. C'est une maladie liée à la transmission, je ne sais pas, des virus, n'importe quoi, de l'eau sale. On s'est toujours contenté de traiter l'eau à la source. On a des structures métalliques qui sont installées depuis 50 ans, qui sont rouillées et qu'on n'a pas changé. Et pourtant, l'étude avait été menée. Pour ça, il nous fallait que maximum 1 million d'euros pour changer toutes les structures, en remettre les structures neuves sous forme de PVC pour faciliter la fluidité, la circulation de l'eau et faciliter aussi l'entretien.
Et ça, cela n'a pas été fait. Et pourtant, de 1 million d'euros, il y a des gens qui ont ça par mois, par semaine. Ça, je sais de quoi je parle. Et donc, là, il faut commencer par là pour essayer de donner de l'espoir aux gens, d'avoir de l'eau potable, etc. Après, ma deuxième priorité, c'est l'éducation. L'éducation, déjà en termes de capacité d'accueil. Les mêmes endroits, effectivement, que nous étions dans la classe ou qui comporte 50 personnes, aujourd'hui comporte au moins 200-300. Le nombre des étudiants augmente, mais les capacités d'accueil n'augmentent pas. Et là, c'est depuis plus de 30 ans que les mêmes structures. Donc, il faudrait construire de nouvelles écoles. Et après, il y a les infrastructures routières. Dans les arrêts, c'est essentiel. Voilà. Aujourd'hui, tu ne peux pas, je vous ai démontré qu'on ne peut pas parler de la sécurité sans les infrastructures routières qui, elles, facilitent la circulation rapide des forces pour pouvoir se déployer sur un théâtre de conflit si c'est nécessaire, hein, en un temps record. Et bon, maintenant, les infrastructures routières, c'est le troisième. Maintenant, il y a l'électricité. Il n'y a que 3% de la population qui a accès à l'électricité. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de moi partout, un peu à Bangui. Pourquoi? Parce que ce libre programme, ça existe en 20 000 exemplaires. Quand on a voulu concevoir, pour d'autres parties, je pense que non, mais c'est dépend pour rien. Et donc, c'était très bien fait d'ailleurs, hein, en regardant votre livre, on voit qu'il y a le sérieux, on voit vos partenaires occidentaux sont avec vous, les Chinois, alors les Coréens. Les Coréens, ouais. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire avec ces Coréens? Non, mais c'est des pays, je suis émerveillé par le développement en Corée, parce que sous forme, il y a de cela 30 ans, on était au même niveau. Je me demande, aujourd'hui, en Corée, ils ont quoi? Ils ont que l'intelligence. Ils ont l'intelligence, et moi j'ai besoin de leur intelligence pour développer mon pays. Ils ont un système, des techniques, mais très rapides. Par exemple, pour l'électricité, j'ai parlé avec une entreprise coréenne qui me dit, après avoir mené une étude, je pourrais avoir, après les élections, de ces générateurs autonomes. C'est un générateur autonome de 1000 watts qui pourrait alimenter toute la préfecture de Bangui. Et là, on aura les électricités 24 heures sur 24 heures. Parce que la cause aussi de notre insécurité dépend du manque de l'électricité. L'éducation, on ne peut pas réussir sans l'électricité. La santé aussi, on ne peut pas régler le problème santé sans les sujets. Parce que je vous apprends qu'en pleine intervention chirurgicale, des fois, il y a des coupures et les gens passe là ma gauche. Et donc tout ça là, l'électricité jouera un rôle majeur. Et donc, dans les 100 jours de mon élection, l'électricité sera garantie sur toute étendue du territoire central. Mais il y a un coût. Alors pour ça, vous avez calculé, ça vous amène à combien le coût? Non, avec 2 millions d'euros. Le coût pour faire tout ce travail formidable? Remettre les panneaux solaires. Non, les routes, les infrastructures, tout ce qui est. Non, ça, je passe pour l'électricité. Ah, d'accord, pour l'électricité. Pour l'électricité. Bon, maintenant. L'ensemble de votre projet, c'est combien? L'ensemble de mon. C'est-à-dire, en fait, c'est évolutif. C'est évolutif. Là, aujourd'hui, je vous ai parlé pour l'électricité, c'est 2 millions d'euros. Avec 2 millions d'euros, on peut apporter l'électricité sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Maintenant, avec l'argent récolté de la lutte contre la corruption, ceux qui vont être condamnés à partir et avec saisie de leurs biens, je pense qu'on aura de quoi. Mais aussi, il faut comprendre comment la société fonctionne. Nous avons les termes de priorité. Les priorités de FMI, de Banque mondiale, qui ont toujours été nos partenaires historiques. Quand vous voyez aujourd'hui la BAD a ses priorités, et toutes les priorités de la BAD se trouvent dans notre programme, c'est-à-dire l'agriculture, dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures routières, de l'électrification, tout ça, c'est dans notre programme. Et donc, nous avons un projet, effectivement,
qui a été étudié aussi par toute équipe avec qui je travaille, avec des spécialistes. Et à ce moment-là, nous allons soumettre. Mais ce que j'ai promis en 100 jours, ça va être l'électricité et l'eau. Ça, je pense qu'en 100 jours, on peut atteindre l'objectif. Alors, un mot pour partir en Sango et également en français aux compatriotes centrafricains. En Sango. Nasango mbiyeti tena la itazimbi bimu merci mingi na la so a la deuxième mbiyeti tena mbi géré parti chrétien démocrate. Mi pensais que l'heure ni à Limbiawa, l'heure ti changement ti à Limbiawa. Azwa sa tena mingi, azwa pensé que ike jeune. Si ton ike masika, il peut y réfléchir après mbi tena la il peut y réussir. Parce que à la sou la so aza kodoti na ti douso. Nathan soit a commencé quoi à la qu'il a 22 ans. Mais là, ce génération Tiso a sacrifié, il peut y ressusciter. Nirambi Undana à la Titanen, à la saisir l'occasion. Isaïti Mara, Isaïti Titimara, et puis il boum à beaucoup de terrain d'Ambou, la ligue de pardon, unité nationale. Et Mbinga que, parcours Timbi personnel, a bâti un message pardon que dans son bigui. Délivré Nala, Pafade Sumbi dans le congrès na Bangui, Titene, mais moi encore Nala, Ambeni, mais Vunga Nala Sango, Nandoutia avancé, et Binga Kéke Gona élection, Zoson Zapa le Kembatu, Loke gagné. Don Zapa le Kembatu, Biki gagné. Bibara la, Zassi Sirira du Sinabetia. En français? En français, je remercie beaucoup le peuple. Centrafricain en partie, puisque j'ai été choisi par le parti, mais c'est toujours comme ça. C'est un avant-garde et je pense que je suis sur l'autoroute de la victoire. Et vous avez bien fait de me choisir. Et je ne représenterai pas que mon parti, mais je représente l'espoir de toute la jeunesse centrafricaine aujourd'hui. Je vous dis que la jeunesse n'est pas une tragédie. La jeunesse, c'est la vitalité. La jeunesse, c'est la force de l'intelligence et la sagesse. David a été jeune. Il a été capable de battre le géant Goliath, qui représente aujourd'hui la corruption, la gabégie, la voracité, la cupidité, l'esprit de division et de la haine. Et je pense que j'ai les armes nécessaires pour le mettre KO au premier tour. Je vous remercie. À très bientôt. Je viendrai. Je suis seulement 40 mètres de palais. Je vous dis que ce jour compte. Et on en parlera dans un autre cas. Merci, merci à mes téléspectateurs. Vous voyez, vous avez suivi la détermination de notre candidat aux élections présidentielles en Centrafrique, la République centrafricaine, M. Reboas, qui est Aristide Briand. Vous portez un nom magnifique. Et ce monsieur veut aller au palais présidentiel. Il veut prendre le manette au pouvoir, enfin, de ramener le Centrafricain vers une destinée, la meilleure destinée qu'elle soit, pour que, bien entendu, ce peuple se retrouve à l'époque de Bonganda, qui est le père de la Bokassa. De Bokassa également, les deux pères de la nation qui ont fait de la sorte que la Centrafricaine soit, la République centrafricaine soit ce qu'elle a été à l'époque. Elle devait être la meilleure avec, bien entendu, notre candidat, M. Reboas. Je vous remercie d'avoir invité la presse au Presse Club, bien entendu, pour votre nom, les circonstances à l'endroit de votre peuple. Merci à vous. Merci beaucoup.